et création du mois de juillet. Je dis pas de bêtises. Alors j'en ai pas fait énormément. Je me la suis coulée douce ce mois-ci. Tranquille. Voilà. Parfois en vacances cette année, parce que normalement j'étais censée trouver du travail, mais j'ai pas trouvé, donc du coup on a pas réservé de vacances et on l'a beaucoup lu. Ça c'est génial. Mais du coup bah, on profite pour faire plein de petites sorties à droite à gauche. Du coup bah, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas le temps. On profite des vacances pour sortir. Voilà. Du coup j'ai pas grand chose à vous montrer. Et d'ailleurs en parlant de ça, j'ai fait quelques petites vidéos sur mes petites sorties. Donc si jamais vous voulez entre guillemets un vlog, parce que je suis pas une spécialiste des vlogs, hein, ça me fait chier ça. J'aime pas regarder les vlogs des autres. Mais ouais, j'ai fait quelques petites vidéos sur les petites sorties que j'ai fait récemment. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus pour que je vous montre tout ce que j'ai fait avec les filles, avec mon chéri, avec mes parents aussi, parce qu'on fait beaucoup de sorties avec mes parents, parce que mes parents, voilà, c'est mes parents. Donc voilà, si vous voulez que je vous montre tout ça en vidéo, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai pas filmé pour vous faire ça, mais je dois pouvoir me démerder pour vous faire une petite vidéo là-dessus. Voilà. Si jamais ça vous dit. Donc du coup, logiquement, vu que j'ai pas grand chose à vous dire et que j'ai pas grand chose à vous montrer, cette vidéo là devrait être rapide. On croise les doigts. J'espère en tout cas. Alors bah c'est parti. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait grand chose, mais les choses que j'ai faites m'ont demandé pas mal de temps quand même. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas fait grand chose. Parce que le si peu que j'ai fait, bah ça m'a demandé pas mal de temps. Voilà. La dernière que je viens de réaliser, là, je l'ai fini là tout à l'heure, ça fait 3 jours que je suis dessus. J'ai un peu bu. J'étais contente d'avoir fini. Ouais. Je vous la montre en dernier. Ce sera la dernière. Hein. Allez. Bon, sinon, qu'est-ce que... Bah c'est parti. Voilà, on a de blablater et on y va. Donc comme vous le savez sûrement, je suis pas une spécialiste de la gourmandise, j'en fais jamais, quasiment très rarement. Et là j'ai voulu essayer de faire des petites fraises, réalistes ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je suis pas fan, mais bon, c'est mignon quand même. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est mon fruit préféré, puis bah, je tenais vraiment à faire des fraises. Voilà, bah franchement c'est la gourmandise. J'ai pris aucun plaisir à faire ça. Ça me faisait plus chier qu'autre chose. Mais je voulais faire des fraises parce que j'adore les fraises. Voilà. Ah mais non, la gourmandise, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Oh, j'aime pas ça. C'est chiant à faire. Ouais, moi, je vois non, ça me plaît pas. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Moi, je préfère faire les petits personnages. Je trouve ça plus rigolo. C'est peut-être plus prise de tête, mais je trouve que c'est... Enfin bref, voilà, je préfère quoi, merde, qu'est-ce que tu vas me faire chier? Oh, je suis vulgaire! Oh, c'est pas bien! Donc pour le prochain bijou, j'ai réuni les cours de physique qui datent bien. Et puis une photo que j'ai trouvée sur internet. Alors ça ressemblait pas du tout à ça, mais ça m'a inspiré dans ce domaine-là, de la physique, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai fait un petit pendentif avec des molécules d'eau. J'ai appelé ça comme ça, hein. Ça représente pas du tout ça, mais voilà. C'est un peu ce délire-là. Je trouvais ça rigolo. Voilà, c'est tout. Après, si on le faisait d'une autre couleur, ça aurait pas été des molécules d'eau. Là, c'est voilà, c'est les couleurs qui me font penser à l'eau, et c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Mais après, hein, voilà, c'est suivant l'imagination. Le bijou suivant, en fait, je me suis amusée avec les autres pignatas. Et j'ai réalisé ce petit bijou là, tout simplement, une petite pastille. Voilà, tout simple. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce résultat là auquel je m'attendais, mais finalement, eh ben, j'aime bien quand même. Voilà. Petit collier pastille avec les zones pignata. Et j'ai voulu changer le montage. J'ai voulu essayer une nouvelle technique. C'est pas au point, et je sais pas si je recommencerai parce que je suis... Voilà, c'est pas mon délire, c'est pas ma tasse de thé. Mais bref, voilà, une petite pastille avec des ongles pignata. Toujours avec les ongles pignata plus du silkscreen, je me suis amusée à faire un attrape-rêve géant en collier. Ça fait un très grand attrape-rêve. En plus, j'ai mis en sautoir, du coup, il va jusqu'au nombril. Bref, voilà, on s'en fout. Un attrape-rêve avec des pignata et du silkscreen. Voilà, tout simplement. Sans... Tout simple. Mais j'aime bien le résultat. Moi j'aime bien.
Ensuite, les petites chibis. On y arrive, j'en ai fait quelques-unes. Donc déjà, eh ben, j'ai cette petite sirène. Enfin, petite, elle est grande cette fois-ci. Hein. D'habitude, je l'ai fait plus petite que ça, moitié moins. Là, c'est une grande sirène. Sur un... Bah, encore les empignata. Et un effet craquelé avec les feuilles d'or. Enfin, non, là, c'est les feuilles d'argent. Mais bon, vous avez compris. Oh, je suis maniérée aujourd'hui. Oh, c'est pas bien ça. Bon, bref, voilà, une petite sirène comme ça. Mais j'ai fait plus grande que d'habitude, et du coup, c'était... ça fait pas pareil. J'aime pas trop faire quand c'est grand. Je préfère les trucs tout petits. C'est plus mignon. Tout ce qui est petit est mignon et tout ce qui est grand est déplaisant. Pour pas dire autre chose. Donc ensuite, les prochains bijoux que je vais vous montrer, c'est toute une collection. Ils sont tous sortis de la même zone. Donc j'ai réalisé tous ces petits bijoux là avec la technique du Bokumegane. Et j'ai essayé plus ou moins d'utiliser les couleurs de la galaxie. En fait, je voulais faire un effet galaxie avec la technique du Bokumegane. Malheureusement, j'ai mis trop de violet et pas assez de bleu. Donc ça fait pas vraiment galaxie. Je suis pas très contente. La prochaine fois que je referai, je mettrai plus de bleu et violet. Allez, je vous montre tout ça. Donc le premier bijou, c'est ce plastron. Si tu veux bien te mettre correctement, Vilain. Un petit plastron articulé avec l'effet galaxie. De la technique Bokumegane. Ah c'est pareil, là ce mois-ci je me suis amusée à tout poncer, enfin pas tout. Et puis je vous ai vu juste avant, non je les ai pas poncés parce que je pouvais pas, mais celui-là oui il a été poncé. Voilà, petit plastron. J'ai un petit rat de cou, comme ça, triangulaire. Pareil, il a été poncé. Maintenant, faut que j'achète de quoi polir parce que là, du coup, avec le vernis, ça m'a. Je trouve que ça a tout foutu en l'air. Ça fait pas pareil. C'est dommage. Le vernis, maintenant, j'aime plus. Il faut que j'arrive à poncer. Non, à lustrer. Poncer, c'est déjà fait. Donc voilà. Bon, bref, là, c'est voilà. Et à l'arrière, en fait, j'ai utilisé les restes du Bokumegane pour faire un effet marbré. Et je trouve que c'est super sympa, l'arrière, du coup. Ça fait un espace. Là, je trouve que ça fait encore plus effet galaxie, même si c'est violet. Et ben, je trouve que ça sort bien. Voilà, c'est que ensuite, toujours avec la même... dans la même... gamme. Dans la même collection. Voilà, je cherchais le mot. J'ai réalisé une petite bouboule. Les fameuses petites bouboules. Je vais t'envoûter. Voilà, j'ai réalisé une grosse perle comme ça avec la technique du Bokumegane effet galaxie, entre guillemets. Pareil que j'ai poncé. Et c'est chiant à poncer quand c'est des boules. Hein. Oh, c'est mieux, c'est plus facile quand c'est plat. Là, c'était galère. Hein. Mais j'y arrive quand même. Ensuite, j'ai encore une petite pastille. J'aime bien faire des petites pastilles, je trouve que c'est très élégant. Donc voilà, là j'ai fait avec toujours la technique du Bokumegane. Sauf que là, j'ai utilisé les restes et j'ai été au secours, j'y suis perdue. J'ai été... Oh ! Utilisé ! Voilà, la technique swirl avec les restes du Bokumegane. Et ça m'a donné cette petite pastille toute mignonne que j'aime trop. Et du coup, avec l'effet swirl, et bah, ça fait carrément plus galaxie. Ça fait comme si c'était le trou noir dans l'espace. Je parle pour rien dire, je dis que des conneries, mais c'est hallucinant. Quoi. Oh bon, bref, voilà, une petite pastille avec un style galaxie. Pour aller avec, bah, j'ai fait des petites boucles d'oreilles toutes simples. Au verso, en tant qu'à faire, c'est mieux. Et j'ai aussi la petite bague.
que la plaque du mot que j'ai gagné. Et bah j'ai réalisé 3 autres colliers avec des petites fées et des petites sirènes. Donc il y a ce petit bijou là avec une petite sirène bleue. Et c'est la seule sirène, les deux autres c'est des fées. Une sirène dans la galaxie, et bah pourquoi pas. Et bah t'imagines que c'est la galaxie qui reflète dans la mer. Putain, je suis partie loin là. Ensuite, la deuxième petite fée, elle est toute nacrée, toute blanche, avec des cheveux noirs pour faire le ciel noir quand il fait nuit. Logique. J'arrive pas à me souvenir de ce mot. Bon, c'était tout pour cette collection de galaxies avec la technique du Mokume Gane. Je me répète. Oh, c'est chiant. Bon, bref. Et on passe au bijou suivant. Et il s'agit de Bébé Vaiana. J'ai trop aimé Vaiana. Je suis fan de ce dessin animé là. C'est pas mon Disney préféré, mais je l'adore. Voilà, là j'ai fait bébé Vaiana avec un coquillage dans les mains. Voilà. C'est mignon. Elle a plein de défauts, mais c'est trop mignon. M'a donné énormément de fil à retordre. Ça faisait une éternité que je voulais le faire, mais je me suis jamais lancée dans ce projet là parce que je pensais que j'y arriverais pas. Bon, même là hein, il est loin d'être parfait, mais je suis quand même contente d'avoir sauté le pas, d'avoir essayé et d'avoir fini ce projet là même si voilà, c'est pas top, je suis contente de l'avoir fait. Je voulais le faire depuis une éternité, mais je fais non, oh non, j'y arriverai pas, c'est pas possible, il est trop complexe, il y a trop de détails, il y a trop de trucs, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Mais j'aime pas dire j'y arriverai pas. J'arrête pas de le dire aux filles, ne dites pas vous y arriverez pas tant que vous avez pas essayé. Il faut essayer. J'ai essayé, j'ai plus ou moins réussi. Et il s'agit de la bête. Dans la Belle et la Bête. J'ai toujours rêvé de faire ce personnage-là. Mais quand je le voyais, je me suis dit, putain, j'y arriverai jamais. Pour ça, là, j'ai juste fait sa tronche. Le corps, il suivra plus tard. Mais voilà, là, j'ai fait la belle... Enfin, non, la bête. Le prince charmant. Le gros nounours. C'est moi... On dit que c'est une bête, mais moi, vu sa personnalité, ça me fait surtout penser à un gros nounours. Hein. Donc voilà, j'appelle le nounours. Non, je déconne. Ensuite, j'ai 9 nouveaux... Attends, 2, 4, 6... Oui, c'est ça, 9. 9 nouveaux petits porte-clés sur le thème Disney. Et plus précisément... sur les princesses de Disney. Mais
version sirène. S'il vous plaît. C'est le mois dernier, je sais pas si vous vous en souvenez, si vous l'avez vu, mais j'avais réalisé la fée clochette en sirène. Et ça m'a tellement plu, j'ai tellement adoré faire ça, que j'ai décidé d'en réaliser tout plein d'autres. Donc voilà, il y en a 9. 9 nouvelles princesses Disney version sirène. Je vais pas vous dire le nom des petites princesses que j'ai réalisées. Vous allez me les dire en commentaire si vous avez le courage de répondre, hein, parce que je sais que j'ai de plus en plus de moins. J'ai de moins en moins de commentaires. Donc si vous avez le courage de répondre et si vous arrivez à les reconnaître, et bah n'hésitez pas à me dire quels sont leurs petits noms. Si je les ai bien réussi ou pas, si on les reconnaît facilement ou pas. Bon, mes filles les ont toutes reconnues, donc logiquement, c'est que c'est pas impossible. C'est que je les ai plus ou moins bien réussi. Je vais vous montrer les unes après les autres et puis vous me direz si vous arrivez à les reconnaître ou pas. Voilà. En ce qui concerne les porte-clés, ils sont tous montés de la même façon avec 3 petits rubans, 2 petites perles et une breloque associée au film de Disney qui va avec quoi. Voilà. Et un petit truc que je précise jamais, mais tous les visages, les yeux principalement, sont faits en polymère. Je n'utilise jamais de peinture sur tout ce qui concerne les personnages. Tout est en polymère. Voilà. Que ce soit bien clair. Thank you.
la dernière création que je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien il s'agit d'un petit tableau. Donc là vous le voyez qui est derrière, c'est un petit châssis comme ça qui fait 10 sur 10 si je dis pas de bêtises il me semble. Ça m'a pris 3 jours à le faire quand même, en faisant des pauses hein, bien évidemment, parce que pas 3 jours de... pas 24 heures sur 24 sur 24, hein. Non peut-être pas quand même, hein, faut pas abuser. Je sais plus combien de temps j'ai passé dessus, je sais que c'est 3 jours, mais j'ai pas calculé le nombre d'heures exact, je sais pas. Pas du tout. Bon bref, donc voilà, j'ai réalisé ce petit tableau là et j'en ai encore plein d'autres à réaliser parce que j'adore faire ça, je trouve ça super sympa. À accrocher sur les murs, faire une collection de tableaux comme ça. J'en avais déjà réalisé un que j'ai envoyé en swap à Mélanie. C'était un petit tableau féerique. Et là, j'ai réalisé... Donc, j'ai réalisé... ce petit tableau. Je vais pas vous dire ce que c'est, même si je pense que ça se reconnaît quand même, non? Hein? On le reconnaît? C'est ressemblant ou pas? J'ai pas mis tous les détails comme j'aurais voulu, mais j'en ai mis le plus possible. Donc j'espère que ça ira. C'est pareil, j'ai pas mis assez de profondeur. J'aurais voulu que ça ressorte plus. Mais déjà là, le petit père, il pèse son poids quand même, hein. J'ai pas pesé encore, mais c'est assez lourd. Mais bref, voilà, j'ai réalisé ce petit tableau. Que j'aime bien. Il est pas parfait, il manque des détails, mais je l'aime bien quand même. Voilà. Alors c'est quoi? T'as reconnu ou pas? Sinon t'es trop fort. Et donc voilà, je suis encore très chaud. Au secours, il fait chaud. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo, toute petite rikiki vidéo. J'espère que j'aurai été rapide quand même avec mon blabla qui veut strictement rien dire. J'essaye de faire des vidéos courtes mais j'y arrive pas. Je sais pas comment on fait. Donc j'espère que vous, non tu, toi, parce que t'es tout seul normalement devant ton écran. Pourquoi je dis vous à chaque fois, c'est toi. Même si vous êtes plusieurs, enfin plusieurs non, parce que maintenant il y en a de moins en moins aussi qui regardent les vidéos. Ça doit être les vacances, hein. Sinon ça veut dire que je vous plais plus. Vous avez tourné la page. Allez hop, elle on la met de côté. Je comprendrais totalement. Tellement que je suis chiante. Bon bref, vas-y, je vais dire tu maintenant. Parce que normalement, je sais pas moi je dis vous. En plus j'ai toujours détesté vous voyez. J'aime pas ça, ça fait vieux jeu. Bon j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et si tu as des idées du Et si tu as des idées de tuto, n'hésite pas à me le faire savoir, ça sera avec le plus grand plaisir si je peux la réaliser, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis juste longue à la détente, hein. Faut être patient. Voilà, c'est tout. Bah voilà, j'ai fait le tour. J'ai fini? Déjà? C'est l'heure de se quitter. Oh, quel dommage. J'aurais bien voulu rester plus longtemps. Ça me chatouille. Bon allez, ça y est, faut se quitter maintenant, c'est l'heure. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais on se retrouve très vite, je te le promets, très très vite. Je vais tout faire pour revenir très très vite. Et puis bah voilà, c'est tout. Allez, tout plein de gros poutous. Et à très vite.